aujourd'hui, vélo plutôt sympathique à présenter sur la chaîne. Alors, c'est peut-être pas forcément ce que je vous ai habitué à voir comme type de vélo sur la chaîne. Vous le savez, on est plutôt dans les fat bikes. Mais vous allez voir que celui-ci ne démérite pas sa place sur la chaîne. On est sur un vélo, vous l'avez vu, type urbain, j'ai envie de dire. Alors, type citadin, VTT, urbain par son design, surtout par son guidon, en fait. Hein, puisque c'est vrai que, bon, moi, j'appelle ça un petit peu les guidons type ville. Hein, en tout cas, c'est ce qu'on voit beaucoup. Mais en fin de compte, on est sur un vélo tout-terrain, puisque vous le voyez, on a des pneus type VTT en 26 pouces. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui va dans cette vidéo. Hein. D'habitude, c'est vrai que je note tout ce que j'ai à vous dire sur mon téléphone. Aujourd'hui, je l'ai noté dans ma tête. Alors, pas volontairement, c'est juste parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon téléphone à la maison. Mince alors. Bon, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, j'ai tout là-dedans. Mais avant de commencer la vidéo, bien sûr, un petit instant racolage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et puis si vous aimez bien mon contenu, eh ben, un petit like, un petit commentaire, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Et bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir aussi. Aujourd'hui, on est sur un vélo de la marque Kaizda. Le modèle exact, c'est le K6C. Donc vélo type ville VTT, mi-ville, mi-tout-terrain, vous l'avez compris. Comme d'hab, vidéo en deux parties. Première partie, je vous parle des specs du vélo. Deuxième partie, on ira faire un petit ride avec. Vous l'avez donc vu, on est sur un vélo en 26 pouces avec des bonnes roues tout terrain. Là, on est dans un chemin, clairement, bah, il est sur son terrain. Bien qu'on n'ait pas de suspension à l'arrière, on a tout de même une suspension à l'avant qui va faire son taf, qui est plutôt souple. De toute façon, vous le voyez, on n'est pas sur un vélo qui va être fait pour faire du cross, hein, mais on est plus sur un vélo type balade, type pour faire de la piste cyclable. Des petits chemins comme ça, ça passe, hein, mais voilà, vous n'allez pas faire les 24 heures du Mans ou je ne sais quoi avec. Pourquoi les 24 heures du Mans? Je sais pas. Au niveau confort de conduite, c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas spécialement le genre de design qui retiendrait mon attention. C'est surtout le type de guidon, hein, vous voyez, type vélo de ville. Par contre, je dois vraiment admettre que c'est beaucoup plus confortable qu'un guidon droit. Un guidon droit sur les VTT, à chaque fois, je le rappelle, mais vous allez plus avoir tendance à avoir le dos courbé, une position un petit peu agressive, comme si vous partez à la guerre. Alors que là, pas du tout, vous allez pouvoir vraiment garder votre dos droit, puisque vos mains vont pas être à ce niveau-là, mais plus ici. Donc vous allez pouvoir vraiment garder une posture bien droite. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de ces guidons là, c'est que vous avez un confort de conduite inégalable par rapport à un VTT. Surtout que vous avez une potence réglable, donc ici elle va être inclinable de haut en bas, donc vous allez pouvoir régler encore plus votre guidon comme vous le souhaitez. Vous allez également pouvoir monter ou descendre la potence, donc deux inclinaisons, une d'avant en arrière et une de haut en bas. Vous avez un cadre bas, donc ça vraiment c'est parfait, vous avez juste à faire une petite enjambée. Et puis c'est tout, vous montez sur le vélo tranquillement, donc pas de grosse barre qui va venir vous faire faire des grandes enjambées ou quoi. La selle, bon par contre, la selle peut être un petit peu raide, hein. C'est vrai que bon, sur bon nombre de vélos qu'on teste sur la chaîne, en général, c'est la première chose que je vous dis de changer, hein. Quoique ça dépend vraiment des modèles. Hein. Par exemple, comme le dernier qu'on a testé, là, la selle était vraiment cool. Hein. Celle-ci, elle est tout de même un petit peu raide. Toujours pour continuer dans le design, la batterie va venir s'incorporer à l'intérieur du porte-bagages. Donc vous avez un porte-bagages qui va supporter maximum 25 kg, c'est marqué dessus, vous pouvez pas le rater. La batterie bien sûr qui va être amovible de son socle. Vous avez une clé, tout simplement vous tournez pour déverrouiller, vous tirez la batterie et vous allez la recharger chez vous tranquillement. Lumière avant, lumière arrière. Alors pour la lumière arrière, elle est totalement dépendante de la batterie. De toute façon, elle est carrément ancrée sur la batterie. Hein, donc voilà, dès que vous allumez la batterie, si vous voulez, le phare va rester allumé. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bouton pour l'éteindre, pour l'allumer. Donc voilà, il restera allumé. Peu importe si vous freinez, ça va pas s'allumer plus fort, clignoter. Voilà, ça restera tout le temps allumé. Phare avant, vous avez un petit bouton sur le guidon directement pour l'allumer. Donc ça, c'est cool, c'est très ergonomique. Bon, après, voilà, hein, vous n'allez pas éclairer les ovnis avec. Hein. Vous allez être visible tranquillement, vous allez voir ce qui se passe devant vous. Mais c'est tout. C'est pas le feu le plus puissant qu'on a vu sur un vélo jusqu'à aujourd'hui. Ça permet d'être visible et ça permet de voir devant vous. Ce serait malheureux que ce soit pas le cas. Klaxon électronique. Un klaxon de bagnole, le truc. Hein. Il est tellement fort. Hein. Bon, c'est un klaxon qui est dans la lumière, en fait. Hein. La lumière fait également klaxon. Au niveau du compteur, alors, il n'y a pas spécialement grand-chose à dire, hein, puisqu'en fait, il n'y a pas réellement de compteur. Hein. C'est vraiment tout basique. Hein. C'est-à-dire que c'est plus un... J'allais dire un mini tableau de bord, mais oui, oui, on peut dire un mini tableau de bord. Voilà, vous avez les barres restantes dans votre batterie. Donc ça va jouer avec 5 barres, c'est 5 points rouges en fait. Vous avez 3 vitesses au niveau de l'assistance électrique, donc low, middle et height. Et puis, puis c'est tout. Donc c'est très basique, hein. Vous n'avez pas la vitesse à laquelle vous roulez, vous n'avez pas le voltage de votre batterie ou quoi, voilà. C'est très sobre, très soft. Dérailleur Shimano 6 vitesses. Alors la plupart du temps, je pense qu'on voit plutôt 7 vitesses sur les dérailleurs Shimano. Arrêtez-moi si je me trompe, hein. Mais voilà. Peut-être que là, je sais pas, vélo de ville, où ils ont mis que 6 vitesses. Voilà, bon, en tout cas, écoutez, 6 vitesses, voilà. Bon, ça n'empêche pas de faire du vélo. Hein. Alors, on n'a pas de dérailleur, on a juste 6 vitesses à l'arrière.
Bon, ça aurait manqué un petit dérailleur, hein, comme d'hab, mais ça c'est pareil, sur les fat bikes, il n'y a jamais de dérailleur, et puis arrivé au bout d'un moment, bah tu moulines. Alors, vitesse maximum, 25 km/h, et pas plus, 25 km/h, ce qui est déjà pas mal, hein. Après si vous voulez aller plus vite, bah faudra pédaler plus. On a un moteur de 250 watts à l'arrière, on a une batterie de 12,5 ampères en 36 volts, qui va nous permettre une autonomie d'environ 40 à 70 km. Et franchement, ça fait plaisir de voir une marque qui ne déconne pas sur ses autonomies. Parce qu'en général, on le sait, hein, sur une batterie qui fait 12,5, sur certains sites, ils vous disent que vous pouvez faire 4-500 km, hein, voire 4-500 000, tu vois. Voilà, donc là, vraiment, c'est pas déconnant. 40 à 70 km, vous les faites à l'aise, les mecs, avec une batterie de 12,5 ampères en 36 volts. Surtout avec un vélo qui n'est pas très lourd et un moteur de 250 watts. Pour vous dire, avec mon fat bike et ma batterie de 13 ampères, donc moi, sur mon fat bike, j'ai quand même un moteur de 750 watts, il me semble. 500 watts ou 750 watts, il me semble que c'est 750 watts. Hein. Je fais à peu près 60 km d'autonomie avec 13 ampères et un moteur de 750 watts. Et un fat bike, un truc un peu plus lourd, tu vois. Donc là, 250 watts, 12,5 ampères, voilà. Garde-boue à l'arrière, garde-boue à l'avant. Garde-boue à l'avant que je n'ai pas monté, bien sûr, mais il est à la maison, voilà, je l'ai juste pas monté. Deux freins à disque sur le vélo, donc pas de pédales qui vont venir se plier ou quoi. De toute façon, voilà, on n'est pas sur un vélo design pliant. Et je pense qu'on a pas mal fait le tour des specs. Maintenant, on va aller un petit peu sur le terrain, histoire de voir ce que ça donne. Allez, let's go! On est parti pour un petit ride, du coup, là je suis encore dans le chemin. Je vais bientôt le quitter. Je me suis réglé sur la vitesse low, donc je suis au minimum. Et puis bon bah hein, je pédale comme dans du beurre, les mecs, hein. Là ça pédale tout seul. Au niveau de la pression, j'ai mis 2 bars dans chaque pneu, donc je suis bien gonflé à bloc. Il y a beaucoup de vent, les mecs, j'espère que vous m'entendrez bien. Là je suis en train de m'envoler. Alors pour ce qui est de la montée de la mort, c'est vrai que je vous en ai pas parlé dans la première partie de la vidéo. Alors je l'ai monté tranquillement. Mais bon, il a fallu quand même forcer un petit peu, hein. De toute façon, je vous passerai des images au moment où je vous en parle là. Donc voilà, il a fallu quand même forcer sur la pédale, même en réglant la position de l'assistance électrique au plus haut. Il a fallu forcer un peu, mais franchement, bon, ça va, je suis bien monté, hein. Je joue un petit peu la comédie quand même, hein. Bon, sinon, comme je vous le disais en première partie, le vélo, il est super agréable à conduire. Et ça, vraiment, c'est la position qui fait. La position, ça y fait beaucoup. Vous avez le dos bien droit, vous êtes posé, les mains posées sur le guidon. Vraiment, la forme du guidon, ça y joue beaucoup. Après, c'est vrai que côté selle, elle est un petit peu raide quand même. Ça, comme je vous l'ai dit en première partie, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose... je me vois pas faire des centaines de kilomètres sur une selle raide comme ça. Voilà, je la trouve quand même pas mal raide. Après, ça, c'est un ressenti personnel, hein. Ça va pas aller à certaines personnes, ça va convenir à d'autres. Donc voilà, pour moi, je la trouve un peu raide. Quelque chose dont j'ai oublié de vous parler en première partie de vidéo, c'est la capacité de charge. Donc, il peut aller jusqu'à 130 kg, entre 120 et 130 kg, c'est ce qui est marqué sur le site. Donc, ça laisse quand même une bonne capacité, hein. On est vraiment sur un vélo type balade, hein, qui va être fait pour la balade, vraiment pour les pistes cyclables. Donc, à la rigueur, du petit chemin tranquille, mais comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas faire du cross avec, hein. Vraiment, s'il y avait quelque chose à redire, ça manquerait peut-être quand même une petite 7e vitesse au niveau des pignons. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, 6 vitesses, ça suffit pour faire de la balade tranquille, hein, voilà. Vous n'allez pas mouliner à 6 vitesses. C'est vraiment, c'est histoire de pinailler sur le truc. Mais bon, 7 vitesses, ça aurait été pas mal. Bon, comme d'hab, ça manque toujours un petit plateau. Une petite suspension également à l'arrière, bah, on aurait pris volontiers. Bon, après, voilà, comme je vous le dis, là, regardez par exemple, je suis clairement sur son terrain. Hein. Je suis sur des pistes cyclables, petit terrain gravillonneux et tout. Ça passe crème, hein. Avec les pneus tout terrain, c'est nickel. Au niveau tarif, en ce moment, on est sur 700 € sur le site de Kaesda. Donc bon, bah, c'est un prix convenable, hein, pour ce type de vélo. Finalement, c'est un vélo qui va convenir à beaucoup de personnes, hein, puisque tout le monde ne cherche pas forcément des fat bikes avec des gros pneus et tout, des gros vélos tape à l'œil. Donc voilà, ça, voilà, design, c'est passe-partout. Même pour rouler, c'est passe-partout. C'est agréable à conduire, c'est cool, c'est soft. Et franchement, bah, c'est nickel. Je vous fais un petit test vitesse. Je suis à l'assistance la plus basse, en low. Je me mets en mid. Voilà, donc on sent une accélération, hein. Et là, je passe en height. On sent une fois de plus une accélération. Voilà, et là, je suis au maximum. Et donc, bon, je dirais pas que je mouline, mais avec 6 vitesses, c'est limite. Mais ça va. Voilà, disons que je pédale assez vite. L'assistance au plus haut va vous faire pédaler assez vite quand même. Ça manquerait peut-être une petite 7e vitesse, ça aurait été sympa. Mais là, je pinaille, hein, parce qu'honnêtement, voilà. Vous vous mettez en mid tranquillement au niveau de l'assistance électrique et c'est parfait, hein. Même en low, ça vous emmène. Bon, l'avantage de ce type de vélo par rapport à un fat bike, c'est que celui-ci, s'il n'a plus de batterie, bah, vous allez pouvoir pédaler et rentrer tranquillement chez vous. Alors qu'avec un fat bike, dès qu'il n'a plus de batterie,
Vous pouvez aussi pédaler et rentrer chez vous, mais un peu moins tranquillement. Voilà, c'est un petit peu plus lourd quoi. Bon, eh bien écoutez, on va se laisser ici pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si le vélo de chez Kaizda vous intéresse, vous avez un petit lien dans la description comme d'hab. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas toujours fait, ça me ferait plaisir. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao !